L'argent. Toujours l'argent. Je sais, ça a l'air beaucoup comme ça, mais ça vous glisse entre les mains. Il y avait Jimmy, Scarfo, les employés, les pots de vin. J'étais le propriétaire d'une mine d'or où tout le monde me voyait comme le grand patron. En réalité, j'étais juste une marionnette. J'étais là pour faire plaisir aux autres. Bonne semaine, hein? Mets-en de côté, on sait jamais quand tout ça peut finir. Pourquoi ça finirait? Des fois que t'auras l'idée de partir avec ta Vicky. Pourquoi tu dis ça? T'es toujours au téléphone, essaye de trouver une petite maison sur le bord de la mer. Je pourrais aller passer des vacances. Ah. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour la pape. Ah ouais, tu vas pouvoir partir plus vite. C'est Scarfo. Parfait. Ça va m'en faire plus. J'espère que Vince crache la sienne aussi. Je me mêle pas de ses affaires. Tony, veux-tu mettre ça dans mon char? OK. Ça va? Ah, moi, ça va très bien. Excellent, tu sais. Très beau. Juste un soir que tu rentres un peu plus tôt, genre avant minuit. Hmm? Vous êtes deux là-dedans. Vince, il pourrait fermer la place une fois de temps en temps, non? Mais tu sais, hein, j'aime mieux m'occuper de mes affaires. En tout cas, on peut pas dire que tu m'achètes, là. Je te vois jamais. Sois patiente. Ça sent bien. Regarde ça. C'est pas pire, hein? Nicky, je sais pas ce que tu fais, mais je suis sûre qu'il n'y a pas un restaurant en ville qui fait autant de profits. Ah, ils l'ont pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Prends ça. On a un souper vendredi avec Gino et Christina. Achète-toi une robe. Attends, mais pour qui tu me prends? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas une pitoune, moi. Tiens, bébé, va t'acheter une robe. S'il reste du change, veux-tu que je me vernisse les ongles d'orteils aussi? Ah, puis un gros choker autour du cou, là, puis une laisse pour que tu puisses me promener sur les trottoirs, hein? Oh, mais c'est ça que je suis pas capable avec les femmes, hein? On veut vous faire plaisir, puis ça fait pas votre affaire. Si je t'avais acheté une robe en cadeau, ça aurait pas fait non plus, j'imagine. En tout cas, pas mal plus que « Ah ouais, bébé, va t'habiller. » Mon oncle Mickey a fait la part ce soir, hein? Fais-y plaisir. Va dépenser son argent, ça va le sécuriser. Ah, que va? Je pense que je vais aller dormir. Hein? Dormir? Non! Non! Le soleil se lève. C'est une journée qui commence pour nous. Moi, je me lève pas. Moi, je vais aller dormir. Non, Vicky. Tu m'as réveillé maintenant, bien sûr. Non. C'est-tu toi, oui ou non? J'avais un problème. Je l'ai réglé, c'est tout. Si tu penses que t'avais un problème, attends de voir ce qui s'en vient. Hé, hey, moi j'ai fait ça pour toi, hein? Valois est parti, Vincent l'a suivi, il n'y a plus de problème. Hé, hey, Cacaron, Réal Vincent était sur le payroll de Scarfo. Il va trouver drôle?
Hey, les états d'âme de ce qu'elle fout, là, je me les pose dans mes culottes, OK? J'ai déjà assez de problèmes avec lui. Tu fais rien pour m'aider. Hé, hey, écoute-moi bien. J'ai passé 50 ans de ma vie à courir les quatre coins de la ville. Je peux te donner par cœur les dates de naissance de tous les bandits en décoré, l'Angélie, Notre-Dame puis Henri Bourassa. Puis je peux te donner en ordre alphabétique à part de ça. Fais-moi pas chier avec ce qu'il faut. Parce que quand moi j'ai commencé, lui, il est encore sa crocette. C'est pas le bon temps, c'est tout. T'en parles plus. J'en parle plus. S'il me pose la question, je vais être obligé de dire la vérité. Hé, hey, ça c'est ton problème. T'es trop honnête. Envoye-moi là à moi. Moi, moi, il apprend bête, puis je sors à répondre. OK? Il n'aura pas le temps d'apprendre les paroles, il va manquer d'oxygène au cerveau. Pas pour ça. Je suis pas un mauvais gars, moi. Parce que dans le fond, la personne qui me fait plus chier là-dedans, c'est Victoria. Je touche pas, hein? Parce que c'est la blonde de Nicky, puis je veux pas y faire ça. Oui, vas-y. Un po' di formaggio, per favore. Grazie. Un po' di pane. Speriamo che sia buono, ho cucinato tutta la mattinata, eh? Un po'? Grazie, sì. È fresco, eh? Buono. Ma ti devo dire qualcosa. Vittorio e io vogliamo andare via. E dove andate? Sud. E buone vacanze. Non è per le vacanze. Vogliamo andare per un buon tempo. Infatti, vogliamo vivere nel sud e vogliamo sapere che tu pensi, sì, se vuoi venire con noi. Niente. Senti, sono 35 anni che sono arrivata qua, eh? Il Canada è il paese mio. Se avessi voluto andare al sole, ci sarei andata già da parecchio tempo. È qua che voglio morire, in nessun'altra parte. Ma no, non dire queste cose, ma... Voyons, pleurons. Ma... C'est pas fait encore, hein? Dai, prendi un po' di vino. Ma non fare così. Ma non è il fine del mondo, dai. Dobbiamo ridere. A luce da Roma. Che bello. Grazie a luce. 19, 19, 20. Dealers, 14. 21, 21, monsieur. Better luck next time, sir. Yeah. See you, buddy. Enjoyed the game. Nice place you got here, son. Thank you. Oh, I'll come back anytime. I will. Look. Son. Should be off there, son. Pas mal trop fort, mon Rudy. Il vient d'où? Je sais pas, mais ils sont weird. C'est tout petit gros, là. Tu le vois souvent? Ça une semaine, tu sais, dans le coin, il vient ici, tu joues aux cartes, il repart, t'as rien, pas de femme. Il y a un bleu qu'on peut laisser, moi. Tiens, dors ma chère. Je suis fatigué. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Pourtant, la question n'est pas compliquée, Jimmy. Réal Vincent, c'est toi, oui ou non? Ouais. C'est toi, toi, ou tu l'as fait faire par quelqu'un d'autre? C'est moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande gueule. Chelano a commencé à lui tourner autour. Giuseppe, moi puis toi, on appartient à la même famille. On avait peur qu'il parle trop, on s'en est débarrassé. C'est quoi le problème? Jimmy, mais pourquoi tu te choques?
Hein, pourquoi détenir? Je t'ai posé une simple question. Tu as répondu à ma question. Tu sais que tu m'as dit la vérité. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ça va? Ciao. À propos, tu savais que Réal travaillait pour la famille? Oui. Bon. Parfait. Passez une bonne soirée, Jimmy. Ciao. Salut. Ah. Et ton succès, Nicky? À la nostra. T'as l'air d'un gars heureux. J'ai ma business. Je dois rien à personne. Je fais mes petites affaires. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Une femme. Des enfants, peut-être? Ça, c'est pas à moi de décider. Regardez-moi pas comme ça, j'ai rien à voir là-dedans. Tu trouves pas qu'il faut un beau petit couple? Pas des grenades, hein? Des courriers du cœur. Vous voulez une chambre? Hein? Bon, on change de sujet. Victoria, ta robe, elle est magnifique. Merci, c'est un cadeau de Nicky. Ah! C'est un sujet que j'aimerais éviter avant que la guerre éclate. Hey, kid. Where's the other guy? What other guy, old man? You know, Regan or something. Balsamo. Nicky Balsamo. Yeah, that's it. Somewhere. Well, let's play. It's a little bit hurry, but we can fix something up. For you, sir? Mm-hmm. 18, 18 pour vous, monsieur. 10 pour la maison, 10. The house has 10. 20. The house has 20, gentlemen. Sorry about that, sir. Thank you. Well, next time. I'm gone. Let's play. Can't do it, sir. House rules, 3 per table minimum. No, no, we play. Can't do it, sir. Now, listen, asshole, we're gonna play. Go get your boss. We'll do it, sir. Just a second. Ah, you motherfucker. We wait. Pourquoi? La police s'en vient. Pourquoi la police s'en vient? Pour vérifier le nombre de personnes, des choses comme ça. On se voit tantôt, OK? Et vu qu'il vient à la maison, on va prendre un cognac, OK? OK. Je te dis, moi, ça va péter.
Énerve-toi pas, OK? On va leur parler. 45 des mecs, tu veux y parler? Reste calme. Laisse-moi faire. Nicholas Balsamo. I'm one of the partners here. I just want to talk. Come in. Look, just put the gun down. Stay calm and I'll come in, all right? All right. But, what's wrong here? Wrong. You spent the last 5 days ripping me off, and you're asking me what's wrong? What do you mean, ripping you off? This fucking prick here. He's... I mean, I lost 100,000. I want 200,000 back. A piece of his ass. I'm sure it's a misunderstanding, okay? We can discuss this. We're all friends here. No, we're not friends, asshole. Friends don't steal. They don't cheat. Now let's cut the bullshit out. Bring my money before I blow his fucking brains out! Ça m'a tiré. So nice, Vince. So fucking bright. Pas de carte d'identité. Juste du cash. Je connais ce genre de gars-là. Tu penses qu'ils sont connectés? Si c'est ça, toi puis moi, c'est goodbye, Charlie. Robert, on va te sortir d'ici. Je vais lui faire un téléphone. Garde-le. Ça sent bien, Robert, ça sent bien, ça sent bien. Tu veux pas mourir? Mourir? Qui c'est qui t'attendait de mourir? Hey, time, guys. Allô? Jerry. Hey, Nicky. Prends ma place, Gino. Nicky, je pense qu'il y a plein de belles filles alentour. T'as besoin de quelqu'un pour faire ton sweet talk, c'est ça? Mi vuoi ascoltare per una volta? Je suis dans le marde. Che succede? J'ai du ménage à faire. Combien de pièces? Trois. Trois? Disons deux et demi. Deux et demi? T'es-tu seul pour faire ça? Non. Il y a Vince. Arrivo. Hot day. Il faut le transporter à l'hôpital. Non, 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 non. Ça, c'est une job, là, Doc Charbonneau. Robert, hein? Robert, t'as-tu la famille que t'aimerais qu'on avertisse pas qu'ils s'inquiètent? Non. T'es sûr? Non. Fais-tu bien mal? Oui. Là-dedans, ça marche. Mon oncle va te donner du nanan. Ça fera pas mal. C'est de la morphine, ça va te faire du bien, moi. Tu vas aller mieux que ça. C'est ça. On va attendre que le monde parte, on va mettre le feu ici. Pourquoi tu veux mettre le feu ici? Le gaz ici? Ça marche bien. De toute façon, lui, il a une balle dans la tête. Il a une balle dans le thorax.
Les cornes et les thorax, ça brûle mal. Fait que les balles, ils vont les retrouver. Puis quand ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone dans les poumons, qu'est-ce qu'ils vont dire à la police? Ils vont dire qui nous laisse des belles traces de même? Qui? Personne. Parce qu'on laisse pas des belles traces de même. Il reste plus les balles. Il va mourir. Overdose de morphine. Il y a un témoin de trop ici. Et quoi, Glady? Il n'y a pas de famille. Vince? Trouve donc Charles quoi avec ça. S'il vous plaît, lave-toi dans les mains. Nicky, toi, arrange-toi donc pour que la place forme de bonheur, OK? Un esti job de cochon. À 2h30, t'arrêtes la musique. Maintenant, monte ça. Qui? Nick. Viens-t'en. Viens t'asseoir, mon équipe. On va prendre un petit café en attendant que la place se vide. Ils sont où? Dans le garde-robe. Moi, un petit coup de main. Tu sais, Nicky, t'as vraiment une belle place ici. À toi, là. Je serais vraiment un gars heureux. C'est qui? Vince! Éteins! Le char est en bas. Tu veux qu'il soit en haut? Qu'est-ce que vous avez, vous deux? Ils sont morts, ils font pas de mal. Tu vas me suivre avec le char? Je ferais pas le tour de la ville avec 3-4 dans le coffre. Si t'imagines toujours bien pas que c'est moi qui vais charrier. Sacrément. Allez! Fuck. Fait que les gars, on s'est bien compris. On est parti à 3 heures puis c'est bien pour ça. Ça marche. Quand tu pognes la jouie là, ça, c'est une job de salut. Il y a du sang partout, ça arrête pas, jette des mains, jette des tapis. On peut-tu changer de sujet? Ouais. Ben, regarde, ça, c'est petit gros. Ça, c'est son chum. Puis lui, c'est Robert. C'est le voleur. Il est à fin pareil. Jerry, j'ai pas un bon feeling, moi. Hey, écoute, c'est rien passé. Parle pas de ça à personne. Surtout pas à Jimmy. Come on, let's go, let's go.
Réponds-moi. Réponds. Rien. Écoute, Nikki, je te le demande calmement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tanné, c'est tout. Tanné de penser aux autres. Tanné de régler les affaires des autres, puis tanné que les autres se crissent de ce qui m'arrive. Moi, je m'en crisse pas. Je veux le savoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut partir. Je peux quand même continuer comme ça. Va voir Pierre. Essaye de rapprendre Jérémy. J'irai pas nulle part tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe. Je veux qu'on parte, c'est tout. J'ai essayé de leur parler. Je voulais pas que ça fasse comme ça. Ils sont morts, Nicky. Le comment, puis le pourquoi, puis j'ai essayé de... C'est de la merde! T'as peut-être descendu deux mecs, guy. J'ai descendu personne. Hey, j'avais besoin de ça, moi. C'est Vince. Il s'est énervé trop vite. Vince, je m'en crisse. C'est pas un mate guy. Juste toi puis lui qui est au courant. C'est ça. Il y en a pas d'autres, t'es sûr? Je te le dis, Jimmy. Prendons des vacances pour la fin de semaine. Sors ça de ton système. On va laisser le temps passer puis voir comment les choses vont se tasser. All right? Va bene. Va bene. Puis? Maladie. Tu sais que c'est pas de sa faute, Jimmy, hein? Il a fait une erreur. Une crise de grosse erreur, mais bon. On va laisser tranquille pour une couple de jours. Quelque chose, je te connais. Notre compte Obama, rendu à combien? 2 300 000. On fait nos bagages puis on s'en va. Sois patient un peu. J'ai parlé à Pierre cette semaine. Je pense qu'il commence à trouver ça pesant, élever un petit gars de 6 ans. Mais avant, je veux que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé. Ça n'a rien passé. Je suis tanné, c'est tout. Il faut qu'on parte tout de suite. Avant qu'il soit trop tard. J'ai essayé, Vicky. J'ai vraiment essayé. T'as essayé quoi? Hey, Carl. What a nice surprise. Thought they're not coming out. What brings you here? Oh, your family. It's nice to see you doing good. Thanks. Get your coffee? Corto. Tony.
You seen this guy? No, why? Lenny Santini. He pulled the Houdini and we can't find him. Last time we heard about him, he was in Montreal. Tony, tu le connais, lui? No. Haven't seen him around. Keep it under your hat, but Fabrizio's very sick. Santini's the acting boss now. And he's going to be on the commission in a couple of months. Find him. Do whatever it takes. Turn the city inside out, upside down. You find him. See what I can do. Good. I'm going back to New York. As soon as you hear something, give me a call. Okay. Hello, Mr. Lombardo. How are you? Che succede? Tu sei, sei chi? Lenny Santini. Acting boss di Fabrizio Capra. Oh, Capra gli mourrà. Santini ti sposi di remplacer sulla commission. Che bella fregatura. C'est ça que Jimmy avait peur. T'es pas conscient? Dans ce business-là, là, si tu veux vivre vieux, t'évites les troubles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'aurais pas opéré ton resto sans voler personne, hein? Je pense que t'as trop faim, t'es gourmand. L'argent, le Nicky, ça monte à la tête, hein? Ça veut rien dire, ça, maintenant. Pas besoin d'un dessin pour comprendre, hein? Ed. Hey, on te laissera pas tomber, OK? Je vais aller parler avec Jimmy. On va aller voir ce qu'il faut. Ça va s'arranger. Arranger quoi? Il a dit que j'ai descendu Santini. Hey, on sait que c'est Vince qui a tiré. Hein? Vince, c'est pas un médiaire, puis. Ça va s'arranger. Santini avait un gun. Nicky a essayé de parler avec lui. Vince s'est énervé, puis a tiré. Il savait pas que c'était Santini. Non. Les corps sont où? Disparus. Ça va pas. Ça va vraiment pas, Jimmy. Deux membres de la famille Capra ont disparu à Montréal. Il va falloir donner des explications. Mais si Nicky doit partir, Vincenzo va partir avec, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais parfaitement comment ça marche, ces choses-là, Jimmy. Écoute-moi bien. T'as fait exactement ce qu'il fallait faire. Le reste, on va s'en occuper. Va me chercher Vincenzo et Nicky. Va. De la grande classe. Des voleurs. Il découvre que vous lui volez son argent. Et vous? Vous le tuez. Mais c'est pas tout à fait comme ça que... Chut! Ferme-la, toi. Vous avez descendu le numéro 2 de la famille Capra. Un futur membre de la commission. Je ne savais pas. Ah ben, et là, ça change tout. Si vous ne le saviez pas, on va aller voir M. Fabrizio. On lui dit, Signor Fabrizio, excusez-nous, mais les gars, vous ne le savez pas. J'ai descendu personne, moi. Ah bon? C'est quoi, ça? Un acte de Dieu? Demande à Vincenzo. Dis-y, Vince.
Dizzy. Qui est tiré? Toi ou moi? Jacob Bastard. Hé, mais c'est quoi ça? Une chicane de fillette dans une cour d'école? C'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Mais qu'est-ce qu'on est à la garderie ici? Vous étiez tous les deux présents. Et dans tous les livres, vous êtes aussi coupables l'un que l'autre. That's it. Je sais. Peut-être on devrait parler toute seule, prendre une décision. Parler, parler, toujours parler. Parler de quoi? Il n'y a pas de décision à prendre. Tout est déjà décidé. Tout le monde dehors. Allez. Allez, vous ça. Dire quoi, salut. La vérité? Quelle vérité, Tony? Que Nicky et Vincenzo ont descendu Santini? Come on. Je peux pas faire ça. Et c'est Vince qui a tiré. Hello, Carlo. Yeah, it's Jimmy. Listen, you know the guy you're looking for, Santini? Well, he's dead. But Nicky had nothing to do with it. I mean, he tried to rip him off, but I guess Santini couldn't take a joke. Ça marche pas comme ça, Tony. On les protège ou ils partent tous les deux. Mais, quand même, pourquoi tu n'organises pas cette danse avec Lombardo? Tu racontes pas toute l'histoire, mais expliquez. À l'heure où on se parle, Scarfo a déjà parlé à Carlo. Tout a déjà été décidé. Mais Scarfo, lui, il n'y a pas d'affaire à faire partie des intérêts de Vince. Avant celle de Nicky, OK? Si Nicky part, Vince va partir avec. S'il faut que je laisse ma peau, je vais le faire. Mais il va avoir un semblant de respect dans cette famille-là. Passe-moi le fromage. T'es en tempête, bonheur? Vicky, il faut qu'on parte. Debout. Il va trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le meurtre d'Alain Valois, c'est ça? Mais qui est-il, Valois? Mais regarde-toi! T'es mort de peur! T'as l'air de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher! Cache-toi dans la toilette. Cache! C'est qui? C'est le grand méchant loup. Nicky, ça va? Nicky! Qu'est-ce qu'il y a? Nicky! Fata Buntales! Hey, Jimmy, veut te voir. Let's go. C'est là que ça se passe. Thank you.
Ça fait quoi, 25 ans qu'on se connaît? Ouais. 25 ans à parler dans le vide. 25 ans à t'expliquer. Puis t'as rien compris. C'est trop tard. Maudit ignorant! Hein? Je savais pas t'être assis de comme ça! Tout ce que j'ai rêvé pour toi, hein? T'aurais pu devenir puissant. Mais non. T'écoutes pas. Jimmy, fais ce que t'as à faire. T'es trop ambitieux, Nicky. Tu voulais devenir legit. Voler le monde qui vient jouer aux cartes chez vous, t'appelles ça legit? Hein? Je m'excuse. Il est un peu tard pour ça. Peut-être que tu devrais t'en aller, hein? Va te cacher pour que je te retrouve jamais. Non, Jimmy. Je vais répondre de mes actes. Un homme d'honneur, c'est pas ce que tu veux. On va frapper ce qu'il faut. Fais pas ça. Je voulais qu'on se parle, qu'on s'explique. Tu leur diras. Tu l'as pas entendu? Il est tanné de parler! Hey, je te donne une chance. Prends-la! Pousse-toi, reste pas ici! Chris, fais ce que tu veux, OK? Jimmy. Un jour, on se tient debout et on jure fidélité. On sait que ça finira avec la mort. Je pensais que ça y était. On aurait dû me tuer tout de suite sur place. On ne l'a pas fait. Mais j'étais déjà mort. J'avais peur. J'étais pris au piège. Je savais plus comment m'en sortir.